Previously in Amnesia. Donc c'est parti pour la cave à vin. Et il était pas dit là qu'Alexandre il avait mis des mecs enfermés ici. Oh putain. Oui. Ah, si un ennemi est proche, restez hors de vue et cachez-vous dans le noir. Assurez-vous si possible d'avoir éteint votre lanterne. Oh putain. Ça c'est pas un truc qu'il faut dire ça, parce que ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir des rencontres. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Oh. Ah d'accord, ça m'est tombé sur la tête. Je suis super fort. Oh non, ok d'accord. Ça n'a pas aidé à grand chose. Ok, voilà, c'est bon. Fou. Alors ici maintenant. Oh. Oh putain. Tu vas te faire mal en tapant comme ça. D'accord. Oh. Ah non, pas encore. Eh putain, mais c'est dégueulasse. On va mettre tout ce qu'il faut. La calamine. Oh putain. Eh, arrêtez, j'ai même pas encore commencé. Oula, oula. Eh, mais arrête, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ok, c'est bon, on a l'acide. T'es toujours là, Perrier? Apparemment, non. Oh putain. Non, 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 non. Oh putain, merde. Rouler de l'acide, c'est ça? Trembler. J'ai de l'acide en ma possession. Tiens. Take that. Ça marche. On va vite foncer pour vite trouver de l'huile. Oh. Oh. Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Tranquille. Oh putain! Oh purée, mais. Oh merci! Ok, c'est parfait! Hey, salut à tous les amis, c'est les Rastragos et bienvenue sur Amnesia The Dark Descent. Souvenez-vous, on est enfin allé à la raffinerie et maintenant nous sommes ici. Nous venons de recharger. Notre lanterne, on va essayer de la garder parce que sinon ça va être pas mal lol. Bon, elle est pleine, hein, mais on va quand même essayer de pas la fucked up. Hop là, bien parfait. Des boîtes d'amadou, c'est ce qu'il faut en cas de grand danger. Hop, ah ben tiens, il y en a encore plein ici. Allez, tiens, si tu veux. On va pas commencer à devenir fou, hein, encore une fois. Dans la partie précédente, on l'a assez été comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait là maintenant? Là, je vois qu'il y a un cordage de tout ça. Ok, ouais, donc c'est pour ça que c'était bloqué. Ok. On ouvre quand même au cas où, hein. Ouais, là, c'était là où il y avait la table, tout ça. Pardon. Non, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que... C'est quoi ces mouches là? Alors, c'est bloqué. Quelque chose obstrue la manivelle et l'engin. Cause... Ah, ouais, ok. Alors, ouais, c'est bon. Normalement, je peux la... Voilà, c'est bon. Ok, parfait. Mais apparemment, résoudre des casse-têtes comme on a lu au début, ça permet de remonter la sanité. Attendez voir. Ah, un léger mal de tête. Ok, c'est reparti. Alors, allez, on fait tourner la manivelle. Et on... Ah, c'est bon? Ah, ouais, c'est bon, c'est tout tendu. Ok, on descend. Ok, faut se baisser, comme ça. Oula, merde, il y a encore de ça, hein. Oh, oh. Quoi? Putain, je sais pas si c'est cette connerie qui... Oui. Oh putain, ça m'a fait peur, quoi. Merde. On se calme. Ah, on passe à un nouvel endroit. Archive du sous-sol. Yeah, voyons voir ce qu'il va y avoir. Il se heurta à la surface et les obscurs de l'Atlantique l'étouffaient alors qu'il tentait de comprendre la situation. D'accord. Oula. Ah. Quoi? Oh, 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 quoi? Qu'est-ce qui se passe là?
Ah, mais putain. D'accord. Donc ça, d'accord que ça a tapissé le mur, pourquoi pas, mais il y a de l'eau qui est entrée, on sait pas comment. Putain de merde. Quoi? 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 Oh. D'accord. D'accord, il y a quelqu'un? Perrier, c'est toi? Merde. The fuck? Oh. Ouais. Putain, c'est quoi ça? Il y a quelque chose? C'est invisible ou what the... Attendez là. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ok, d'accord, je sais pas du tout. Je sais pas du tout quoi penser là. Tu me regardes, c'est ça? Puis je sais même pas où. Je sais même pas ce que c'est, je sais même pas où c'est. On va voir ici. Nye. Quoi, y'a quoi à prendre ici? Oh oh oh. Coucou. Purée. Évitez de regarder trop longtemps vos ennemis. Votre équilibre mental en sera affecté. Ils pourront vous. Oh purée, merde! Merde, 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 merde! Putain, laisse-moi parler! C'est quoi ce bordel? Putain, c'est pas Perrier, c'est Kezak! What the fuck? Bon, je vois qu'il y a un truc ici. Je pensais qu'il y avait genre des boîtes d'amadou ou quoi à prendre. Putain de merde! What the fucking fuck? Aïe, 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 ouf! Mais c'est n'importe quoi ça! Des monstres invisibles et plus quoi encore? Allez, tire ça, hop là. Ok, on entend un truc. Ça veut dire quoi? Tu restes comme ça. Attendez. Hey! Guess what? Non, ok, d'accord. Il n'est pas attiré. Go 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 go. On va essayer de check toutes les salles. Hein. Purée, c'est vraiment pas possible ça. En plus toutes les archives. Oh putain, toutes les archives sont mouillées, etc. Ouais, on va allumer un peu la lanterne hein, parce que. Purée, c'est ça que tu veux, hein? Tiens, to be or not to be, dégage. Ouais, non, c'est tout ce qu'il y avait là, apparemment. Attendez. Oups. Ouais, non, c'est vraiment tout ce qu'il y avait. Merde, où est-ce qu'il est là? Aïe, aïe. Allez, viens, 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 voilà. Entre là, vas-y. Ok, tu es là, hein, c'est ça, espèce d'enfoiré. Laisse-moi sortir! Vite, 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 vite! Oh merde, oh merde, oh merde! Ouf! C'est bon. Purée, ça va me rappeler à The Cursed Forest où il y avait le fantôme qui nous poursuivait dans l'eau. Aïe, aïe! Ouais, non, ça va. Ah merde! Ah, d'accord! Il y a un timer. Oh purée, ça va être lolilol. Enfonce! Alors courons! Vite, vite, vite! Où est-il? Ouf. Voilà, voilà. Easy peasy. Attendez, il faut le faire entrer dans la salle. Hein. Au moins, il ne bloquera pas le passage. Hey, hey! Hey, viens là! Tiens, regarde! Voilà, viens par là. Voilà. Voilà. Ok. YOLO! Ah, vite, vite, vite! Te referme pas, sinon je te défonce! Go, 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 go! Oula, oula, ça va m'écraser! Non, ça va, hop là! Aïe, aïe, aïe! Ah! Oh, purée, ils sont deux maintenant! Purée, bon, ben ça y est, on a Perrier et Kezak en fait. Un cochon? Ah, attendez. Ouais, il fait quand même un peu noir, je risque de devenir un peu fou, mais bon. Attendez. Oh, est-ce que je peux décrocher le cochon? Ok, d'accord, ce tir était lamentable, je vous l'avoue. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, 2000, 2000, 2000.
Ça, par contre, c'est bien. Quoi? Ah, ok, d'accord. Il est en train de bouffer le morceau que j'ai balancé. Hein. Tiens, t'en vas encore. Ok, ok. Ouais. Hop là. Ouais. Non. Hop là. Ah merde. Il y a une valve à tourner direct là. Oh purée. Ok, ça veut dire qu'il faut l'envoyer coucou panier. Hey. Oh putain. Attendez. Il y a ça là. Oh purée. Ok. Never mind. Allez. Tourne. Ah purée, il faut tourner. Allez, tourne la valve. Allez, tourne. Aïe. Non, je veux pas mourir. Ouf. Oh purée, là, je suis dans un sale état, je vois rouge. À peine conscient. Ah ouf, j'ai du laudanum. Merci beaucoup. Une blessure saigne gravement. Merde. Bon, au moins, j'y vois quand même un peu plus clair. Enfin, voilà. Purée, laissez-moi décrocher le gros lot, s'il vous plaît, là. Il y a un cochon là que j'ai envie de faire descendre. Bon, pas grave. Merde, non. Aïe. Oh merde. Oh putain, non. Là, cette fois, c'est pas cool du tout. Allez chercher. Allez. Ah purée, je me trompe de côté. Oh putain. D'accord. Alors, la chair morte peut servir de distraction, non, tu crois? Ah, purée. Bon, je sens que ça va être l'olilol. Ah ben c'est bon, ça m'a ramené ici. Niveau d'huile, tout ça. Oh putain, d'accord. En plus de ça, ça a sauvegardé la progression, on va dire. Putain, j'ai envie de faire tomber ce cochon. Tu fais tomber ce cochon? Et merde. Ok. Buddy. Ok, il est là-bas. Hey, buddy. Merde, ça veut dire que c'est Perrier, ça. Il est où, Kezak? Oh putain, il est en train de bouffer. What the fuck? D'accord. Je sais pas si c'est intentionnel ou quoi. Et merde, ouvre la porte. Thank you, au revoir. Ok. Bien. Quoi? Oh non, me dis pas qu'il peut venir. Non. Don't you dare. Oh purée de merde. Il est entré. Ou pas, je sais pas. C'est quoi ça? Aiguille creuse? Une aiguille chirurgicale puissante, d'accord, mais je sais pas à quoi ça sert. Ah non, ça va, il est pas là. Tunnel vers réserve. C'est... Ah! Oh putain. Ok, est-ce qu'il faut déverrouiller la clé avec... Enfin, la porte avec ça. Oh yes. Ha ha. Dans ta gueule, espèce d'enfoiré. Allons vers réserve. Alors, quelque chose d'énorme lui frôla la jambe et il se sentit emporté avec le courant causé par la bête. Il lutta pour revenir à la surface. À l'aide! Cria-t-il alors que l'océan l'avalait à nouveau. Quelque chose d'énorme lui frôla la jambe. Hein. That's what she said. Quoi? Oh non, putain, encore de l'eau. Hey yo! Attendez. On va essayer de pas faire de bruit. En mode de sneaky si possible. Putain, mais encore de ça en plus. Allô? Oula. Quoi? Oh putain, d'accord, il est là. Mais putain, je faisais pas de bruit. Hop là. Oh merde. Oh putain, il a cassé le tonneau. Ah, ouvre la porte. Ferme la porte. Voilà, au revoir. Ok, je sais pas du tout comment je me suis débrouillé là, hein. Don't mind me, ouvre la porte et ferme la porte. Ok. Oh putain. Il est pas content. Ouvre la porte. Ferme la porte. Au revoir. Mais c'est quoi, c'est des serviteurs de ces bidules organiques ou quoi?
ouvre la porte. Ok, voilà, au revoir. Don't mind me. Et merde, putain, oh putain. Oh non, une porte. Patio, d'accord. Il se sentit hissé hors de l'eau. La coque laquée du SS Hortensia scintillait dans la lumière jaune, calme et chaleureuse d'un soleil couchant. Il retourna sa tête vers l'océan tranquille, arrivant sur les côtes du Portugal et pensa, est-ce que c'est encore un rêve? Wow, ok, d'accord. Bon, je sais pas ce qui s'est passé là-dedans, hein. On va éviter de se rappeler, hein. C'est, ça doit être juste un mauvais rêve, un cauchemar là-dedans, hein. Alors. Oula. La musique est reposante ici. Oula, un aigle noir. What? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Qui tu es? Ah non, c'est le petit monstre. C'est le petit monstre qui tue, c'est quoi? Pourquoi ça me demande de toucher là? D'accord. Ok, hein. C'est bizarre cette bestiole. Hop là. Je sais pas si on va y rester longtemps ici, mais. On va un peu check de partout. Et des aigles. Ah, ce serait pas le fameux. Le fameux truc des aigles noirs ou je sais pas quoi, là. La sorte de secte où. Certainement. Non, c'est pas mal enfoncé dans le château là. Chambre d'invité. On va aller voir. Il sortit de son lit et regarda par la fenêtre. Tout était noir. Il patienta, jeta un coup d'œil sur la vieille horloge et attendit encore un peu plus. 4 heures, pensa-t-il. C'est assez. Attendez, il y avait des portes et tout à aller check. Ça, c'est peut-être. Oh putain. Oula, what? Ouais. My journal is gone. What would they want with my journal? Ouais. Ah merde, qui c'est qui a pris notre journal? Ouais non, je pensais justement retourner en arrière, mais c'est des chambres d'invités, donc je pense pas qu'il y ait de continuité avec la suite. Oula putain, c'est le bordel ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ma chambre, c'est ça? Oh putain, il y a quelqu'un qui a fouillé dans mes affaires. Non, justement, je voulais fermer d'abord lui et voir ce qu'il y avait dans celui-là. Ok, il n'y a rien. Hop, boîte d'amadou. Pied de biche. 2nd of July, 1839. Ah, révélation. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. Ouais. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. Huh. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. Oula. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. Mm-hmm. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Merde! Qu'est-ce qui s'est passé là? Wow! Hop. Bizarre, hein? Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Hop! C'est mes affaires ça, ouais. Putain, je peux pas les prendre. Ah! D'accord, merci, hop! On va essayer de retrouver toutes les pièces du journal. Ça doit être la 2. 3rd of July, ah ouais. 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. Ouais. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment.
Ouais. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? Ah, d'accord, I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Hola. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has ouais, the justement. Orb, what are those pieces in my drawing room? What the fuck? Il y a deux orbes? Comment ça? Ou alors il a raconté de la merde? Pourquoi il y aurait... Oh! Pourquoi il y aurait deux orbes? Ah, du laudanum, merci. Non. Oula, oula, what the fucking fuck là. Il y a un truc qui va pas. Non, ok, ça peut pas être... Ah si. Bon, de toute façon, il n'y a rien. Un lapin! Tiens, on te déplace ici. Enfin non, c'est peut-être pas un lapin en fait. Enfin, peut-être que si. Combien j'ai d'huile au fait? Ouais, ça peut aller. C'est allumé ici. La porte est bloquée à cause d'une serrure cassée. Le verrou est cassé. Trouvez notre moyen d'ouvrir la porte du placard dans la chambre des invités. Mais ça doit être avec... avec le crowbar, un outil puissant permettant de faire un levier. Allez, tiens. Ah bah ouais, c'est ça. Ah. La clé? De quoi la clé? Non, c'est pas ça. Une clé importante est cachée dans la chambre des invités. Ok. Hop. Non, ok. Ah, c'est ça. 4th of July, la 3. 1839. It's done. What? The orb is assembled. Oh lol. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them. Ouais. But somehow, I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault, I joined them, producing the orb I remembered so clearly. Quoi? The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? C'est quoi? C'est Indiana Jones. Quoi? Oh putain! C'est quoi? Non. Coucou. Oh merde. Au revoir. Aïe. Je te ferme la porte dessus. Je peux pas fermer la porte dessus. Ok, d'accord. Ah, je veux passer. Ouf, merci. La. Il y a pas de porte ici. Oh merde. Aïe. Non. Sors d'ici. Oh là, ok, le professeur Taylor était la seconde victime décédée à cause de sa maudite curiosité. Oh purée, je crois qu'on a revu un grand tiné. Merde, je sais pas si j'avais fini de voir les choses. Oh purée, l'enfoiré. Bon, on a vu que je suis mauvais, hein, et que j'ai pas réussi à me cacher à temps pour le monstre. Attendez, bon, j'ai du laudanum, voilà. Quelques coupures et contusions, d'accord. Et concernant ça, clair comme de l'eau de roche. Ah ben tiens, pas mal. Il est toujours là ou pas? Il haletait lourdement en essayant de son mieux de s'empêcher de crier. L'armoire à pharmacie avait été retournée et gisait au sol. Il passa sa main à travers le verre brisé et attrapa tous les sédatifs qu'il put trouver. Putain, mais c'est des morceaux de quoi ce truc?
Hey yo! Hey yo! T'es toujours là, mec? Quoi? Ah non, ok, c'est les limaces. Purée, je sais pas si j'avais fini, quoi. J'étais pris de court, sérieux. Ah merde, ok, la porte est complètement détruite. Donc si jamais il venait à revenir, hein. Ok. Bon, la prochaine fois, j'éviterai de regarder par la porte là, si jamais jamais il arrive ou quoi. Hein. Je sais, ça a été un truc débile. C'est pas une super tactique de survie. Je suis d'accord avec vous. Hein. Où est-ce qu'il aurait pu passer maintenant? Bon, ok, il a leave, il a vanish. Hein, je sais pas. Bon. Mais attendez. Il y a une clé à trouver normalement. Il a dit Oh, il m'a semblé voir quelque chose briller. J'ai vu quelque chose briller. Ou peut-être pas. Ouais, non. Je sais pas, ça disait qu'il y avait apparemment une clé. Ah, on va essayer de check vite off, hein. Na. Pourquoi il a parlé d'une clé? Ça a pas l'air d'être là en tout cas. Oh putain! Ok. Oh, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Ok, d'accord. Je pensais pas déjà de 1 qu'on pouvait choper les tableaux, et de 2, je pensais pas que ça pouvait être là. Ah merde. Ah ok, il faut que je la casse. Tiens. Oui. Clé de la salle des machines. Salle des machines. Oula. D'accord. Bon, c'est bon, on a trouvé la clé finalement. Hein. Bon, d'accord, je crois que le monstre, en fait, il est venu au mauvais moment, parce que ça aurait peut-être été un peu plus logique s'il venait au moment où je trouvais la clé. Bon, pas grave, on va retourner au patio. Cette lettre étrange m'a effrayé, mais c'est également la seule qui ait pu me donner un peu de réconfort. Mais sérieux, c'est tiré d'où, ces petits passages-là. Alors, étude. Ok, donc ça serait une autre porte. Attends, on va quand même aller check tous les endroits, histoire de voir. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oui. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Lol. Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Oula, d'accord. Le mec, il a un ascenseur dans son château du Moyen Âge. Ça ne fonctionne pas. Fallait s'y attendre. Trouver un moyen de mettre en marche le moteur qui active l'ascenseur. Ouais, c'est certainement pour ça qu'on a la... la clé pour la salle des machines. Ok, des lions. Ce sera là. Bon, ok, on a la clé, c'est parfait. Donc, ce sera donc un nouvel endroit à aller voir. Ok, donc l'objectif... C'est cet ascenseur, donc ça veut dire que l'étude, ça mènera un cul-de-sac, mais on récupérera certainement quelque chose. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. What? Qu'est-ce que c'est ici? D'accord. C'est pas grave. Et je comprends pas pourquoi ça me fait taper l'eau. ici, y'a quoi? Ouh. Je
Stockage, d'accord. Alors, on a plein d'endroits donc à aller voir. Hein. Bon, bien sûr, je ferai ça dans une prochaine partie. Je suis out of time, les amis. Je pense qu'on commencera par l'étude, au moins on finira ce qu'il y a à l'étage, puis ensuite stockage, et pour finir la salle des machines. Et normalement, après on pourra descendre encore plus bas dans le château, ça va être énorme. En résumé de cette partie, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il y a des monstres chelous et tout qui sont à notre poursuite, des monstres invisibles et des monstres déformés. Je sens que si je continue à être mauvais comme ça pour me cacher ou pour fuir, ça va être amazing. Mais bon, on verra ça lorsqu'on fera les prochaines parties. Hein. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la page Facebook et sur mon compte Twitter pour suivre l'actualité de la chaîne, tout ce que je poste, etc. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao. Salut, Biatch. Non, mais non, quoi. Putain, Toréa, non. On l'a appelé le Toréador. On l'a appelé le Toréador. Mais non.